C'est vrai que ça fait déjà 20 mois de conflit et il y a, comme on dit, une certaine fatigue de cette guerre à laquelle se sont ajoutées d'autres guerres. La guerre éclair entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan autour du Haut-Karabakh qui a radicalement changé la situation dans la région parce que désormais la République autoproclamée de Haut-Karabakh n'existe pas et ce territoire est passé sous l'autorité azerbaïdjanaise et c'est un conflit dont nous avons parlé et surtout le conflit tout récent qui a suscité beaucoup d'émotions, c'est le conflit entre Israël et Hamas qui attire évidemment énormément d'attention car les répercussions peuvent être non seulement régionales mais aussi mondiales. Néanmoins, le conflit en Ukraine, qui est un conflit central, majeur en Europe, continue à attirer de l'attention. La situation est très différente par rapport à l'année dernière. L'année dernière, l'offensive ukrainienne qui a permis la libération de Kherson, notamment, a ouvert la route à toutes les espérances. On pouvait entendre certains spéculer sur l'éventuelle prise de la Crimée par les Ukrainiens. Un an plus tard, nous sommes vraiment dans un autre cas de figure, beaucoup plus difficile, beaucoup plus pessimiste. Et on le voit avec notamment deux articles qui ont été publiés récemment dans Time et dans The Economist par le général qui mène l'action militaire ukrainienne Zaloujny et un autre article qui cite beaucoup les personnes qui sont dans l'entourage de Zelensky. On voit bien que c'est difficile. C'est difficile militairement. L'Ukraine peut difficilement aujourd'hui dire qu'elle est sûre de pouvoir faire une percée. Les Ukrainiens ont eu suffisamment d'armes pour défendre la souveraineté de la majeure partie de leur territoire, mais pas assez pour faire une percée et libérer les territoires occupés. Et il est difficile d'espérer, d'ici quelques mois, que l'Ukraine puisse la faire, cette percée. La Russie, de son côté, a renforcé ses lignes de défense. Comme on parle de la triple ligne de défense du général Surovikin, les dents de dragon qui ne laissent pas passer les chars, les tranchées, les champs minés. Il est extrêmement difficile pour les Ukrainiens de passer par ces lignes-là. Donc il y a une sorte d'impasse stratégique sur le terrain et qui ouvre la porte à tous les questionnements sur la suite. Est-ce qu'on continue de perdre les hommes de deux côtés ou est-ce qu'on ouvre les négociations? Lesquelles négociations vont, d'une manière ou d'une autre, consacrer la perte des territoires? La question est ouverte desquels exactement, parce que la Russie ne contrôle pas la totalité de tous les territoires qu'elle a proclamés des armées des siens et qui cela figure désormais dans la constitution russe. Donc voilà, une impasse stratégique militaire sur les terrains et aussi des perspectives qui sont ouvertes mais qui sont assez sombres, assez négatives en cas de négociation. Mais on en est loin. Pour l'instant, les Ukrainiens et les Russes ne discutent que de l'échange des prisonniers et pas du tout d'un cessez-le-feu ou d'une négociation qui pourrait aboutir à un règlement définitif du conflit. Et d'ailleurs, je ne suis pas certaine qu'il y aura un règlement définitif du conflit tant que Vladimir Poutine est au pouvoir. Ce qui est probable, c'est que l'opération militaire puisse être arrêtée d'une manière ou d'une autre dans quelques mois, mais que la situation soit laissée à un pourrissement ultérieur sans que quelque chose soit signé, car pour les Ukrainiens, ça signifierait vraiment la perte définitive des territoires. C'est d'ailleurs les reproches que font les pays du sud global aux pays occidentaux en disant « vous faites le tri dans les conflits, vous considérez qu'il y en a certains qui sont plus proches de vous, qui sont plus importants de vous, dont auxquels vous vous intéressez, il y en a d'autres. » Par exemple, la guerre au Yémen, qui a fait un nombre absolument incroyable de victimes, a suscité moins d'émotions en Europe. Le traitement des réfugiés n'aurait pas été le même entre les réfugiés ukrainiens et les autres. Et donc, en effet, si on fait l'échelle de ces conflits, c'est quelque chose qui peut être perçu d'une manière extrêmement négative. Il y a évidemment l'impact qui est différent, le nombre de victimes, etc. Mais je ne pense pas que ce soit une bonne chose de faire une sorte de classement dans la tête de chacun
lequel des conflits est plus important, sur lequel on va investir plus, etc. Mais il est vrai que le conflit, la guerre en Ukraine, a suscité beaucoup, beaucoup d'émotions et d'indignation dans les pays européens. Car l'Ukraine est en Europe, c'est la porte d'à côté, c'est un pays qui dit partager, qui partage les valeurs européennes, qui souhaite adhérer à l'Union européenne et qui a eu le statut de candidat à l'Union européenne et potentiellement pourrait devenir membre à part entière. C'est vrai que nous sommes dans une période où il semblerait que l'ordre mondial tel qu'il a été installé à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale n'est plus valable, qu'il y a beaucoup de pays qui souhaitent jeter le défi à cet ordre mondial en estimant qu'il n'est pas juste. Et c'est notamment le cas de la Russie, qui dit qu'après la chute de l'URSS à la fin de la guerre froide, la Russie n'a pas été traitée à sa juste valeur, d'une manière égale, etc. Et donc Vladimir Poutine a ouvert en quelque sorte la brèche, a brisé le tabou de l'intégrité territoriale en se lançant dans cette guerre contre l'Ukraine. Et je pense que l'annexion de la Crimée déjà a ouvert cette porte et que c'est en voyant que la Russie a pu récupérer la Crimée que l'Azerbaïdjan s'est lancé aussi à la conquête du Haut-Karabakh. Et que pour ces pays-là, ce qui les unit aussi, c'est que ce sont des régimes qui sont des régimes autoritaires, où il n'y a pas besoin d'approbation du Parlement, du peuple, pour lancer une guerre. Et donc l'Azerbaïdjan, en voyant l'exemple de la Russie, a décidé que le moyen le plus fiable de régler le problème qui empoisonne ses relations avec l'Arménie depuis plus de 30 ans est le plus simple à régler par des voies, par la voie de force, par la guerre. Je pense qu'il y a plusieurs choses à faire, mais la communauté internationale se trouve vraiment sous tension avec la multiplication des foyers de tension et de guerre. Évidemment, il y aurait la réforme des institutions internationales qu'il faudrait mener, et notamment des Nations Unies, qu'on voit quand même sans pouvoir porter de l'aide et trouver des solutions dans tous ces conflits. Et c'est aussi le point commun entre ces guerres et ces conflits, c'est que l'ONU ne joue pas le rôle qu'on pourrait espérer. Et par ailleurs, il y a aujourd'hui, en Europe notamment, tout le système de désarmement, de contrôle des armements qui est détruit. Donc la situation, en quelque sorte, est plus dangereuse que pendant la guerre froide. Il y a énormément de choses qu'il faudrait remettre à plat, dont il faudrait discuter. Encore, il faut que, dans un dialogue, dans un débat, il faut qu'on soit deux. Donc il faut que les pays, avec ces régimes autoritaires dont je parlais, acceptent aussi la discussion. Parce que pour l'instant, la Russie, par exemple, elle base toute sa politique sur une politique très anti-occidentale, en parlant du monde multipolaire qui serait plus équilibré, etc. Pour l'instant, on ne voit pas comment, finalement, ce monde multipolaire qui est quasiment là, en quoi il contribue à un monde plus pacifique, sans les guerres, où les conflits pourraient être résolus sans recourir à l'arme militaire.